les gars, c'est je. Ça fait trop de guéro. Ça fait trop longtemps. Yo les gars, c'est Jo and Babs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lisa. Bah ouais. On se retrouve du coup pour une vidéo où, en fait, je me suis rendu compte qu'avec Lisa, on avait beaucoup de similitudes. Je sais jamais si on dit similitudes ou similarités. C'est pareil. Merci Jean-Pierre Fouquet. Similarité dans notre caractère, dans notre tempérament, mais pas dans notre vie, notre mode de vie. Pas du tout. Alors on n'a rien à voir, faut savoir que Lisa. Lisa est persuadée d'être Carla Ginola et moi je suis persuadée d'être Maëva Gaine. Non, même pas. Moi je suis persuadée d'être qui en fait. Ah, c'était quoi déjà que tu faisais le matin? Je vois un Starbucks et tout. Trisha Paytas en fait. Ouais. Bref, du coup on n'a pas du tout la même vie et on s'est dit qu'on allait tout simplement échanger nos morning. Septième tentative. Vas-y. Hein, 1, 2, 3. Qu'on allait tout simplement échanger nos morning routines. Première partie, la gadji, elle fait ma morning routine. Donc ouais. Lisa, elle se réveille à Paris, dans mon appartement. Magnifique. Deuxième Parce partie. Que ça suit. Je pars en Toscane. Deuxième partie, je suis retourné jusqu'à Lyon pour passer une matinée dans la peau de Lisa. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. C'est gratuit. Voilà, je vous répète à chaque fois. Et n'oubliez pas de vous abonner sur moi. Oui, mais c'est bon, elle a peur parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'Instagram, ils font chuter les abonnés de tout le monde. Donc il faut s'abonner sur Instagram si le cœur vous en dit, mais si vous avez pas envie. Arrête. Cette vidéo est sponsorisée et je ne le fais quasiment jamais sur YouTube, je sponsorise jamais mes vidéos. Mais là, ça me paraissait intéressant pour vous de vous en parler. Donc cette vidéo, je fais un petit placement au début pour Igraal, pour ceux qui ne connaissent pas Igraal. Igraal, du coup, c'est une application, un site et une extension. Personnellement, on utilise l'extension. Pas personnellement, non. Non, personnellement. Si, moi aussi, je l'utilise sur Google. Google Chrome. Donc, c'est pour du cashback. Si vous savez pas ce que c'est du cashback, je pense que vous savez ce que c'est parce que bah, vous avez pas né la dernière pluie. C'est quand même quelque chose qui est assez commun aujourd'hui. En fait, à chaque fois que vous allez choper sur un des sites marchands qui est partenaire avec Igraal, sachant qu'ils ont plus de 1700 partenaires, donc il y a de la mode, du high-tech, tout en fait. Ils ont tout, même de la décoration et tout. On vous rembourse un petit pourcentage. Par exemple, je sais pas, je vais t'acheter des produits de beauté, un vêtement, de la déco, je sais pas, une table pour chez toi ou quoi. Tu récupères une petite somme et en fait t'as ta petite cagnotte Igraal que tu peux récupérer à partir de 20 €. Donc tu peux la récupérer soit sous forme de virement bancaire, donc ça tombe sur ton compte, soit par un virement PayPal, soit en chèque cadeau, c'est toi qui choisis. Voilà. Sachant que aujourd'hui, dès aujourd'hui déjà, vous avez 10 € au lieu de 3 € qui sont directement offerts pour votre petite cagnotte. Vous avez juste à vous inscrire en fait via le petit lien que j'ai mis en tout début de la barre d'infos. Je me dis quand même 10 balles, ça fait déjà un petit sérum The Ordinary ou une bagnole comme ça quoi. Oh, c'est ça. Donc là par exemple, je vais sur Look Fantastique. Comme vous voyez, ma petite extension Igraal, j'active mon cashback. Donc là, elle est en train de s'activer et j'en profite pour acheter mon petit peeling The Ordinary et mon nettoyant visage Shiseido Men. Là, en haut à droite, il y a ma cagnotte. D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui achètent beaucoup de produits de soins ou produits de beauté, aujourd'hui, donc le 2 septembre 2021, vous avez 30% de cashback au lieu de 5% habituel sur le site Look Fantastic. Et en plus de ça, il y a 27% de réduction sur une sélection de produits chez Look Fantastic avec le code IGRAAL2021 et c'est cumulable avec le cashback. Donc voilà, en tout cas, pour tous ceux que ça intéresse, le lien dans la barre d'infos. Et puis, bah, nous, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bon, il est à peu près 10h20 du matin. Je pourrais vous faire croire que je me réveille à 5h du matin avec la Miracle Morning, là, le livre là-bas. C'est complètement fou en ce moment, j'aime bien me lever à 10h. Voilà. Du coup, on va aller réveiller Lisa. Ah oui, il faut savoir que les portes chez moi, elles ferment pas. Voilà. Pour tous ceux qui bandent sur les appartements haussmanniens parce qu'il y a une cheminée ici, bah les portes ferment pas. Et je vous mens pas. C'est-à-dire que... Je ne ferme pas. Voilà. J'y peux. Debout. Alors Lisa, le short, je me dis pas que mon short. Il va trop serré, ça me fait un cycliste. Ça va, t'as bien dormi? Ça va, c'était pas terrible mais ça va. Moi, est-ce que tu peux expliquer Pourquoi j'ai un bonnet sur la tête? Ouais, exactement. Parce que je perds complètement mes cheveux, absolument quasiment chauve. Et du coup, Joanne m'oblige à mettre un bonnet pour pas que je puisse perdre mes cheveux dans son lit parce qu'il est phobique des cheveux. C'est complètement vrai, je supporte pas d'ailleurs les gens qui viennent chez moi. Peu importe hein, qui c'est, ami, pas ami et tout, si on dort dans ce lit. Non, si on dort dans ce lit, tu dois dormir avec un bonnet en fait, c'est comme ça. Bon, je peux l'enlever ton bordel ou pas? De toute façon, je te donne pas ton avis. Dis-toi une tisse d'un coup.
merde. Bon, Lisa, moi du coup, le matin... Et bah tu bois un kawa noisette. Exactement, je commence par un kawa noisette, parce que j'accompagne avec Tim Lailin, hashtag Tim Lailin, hashtag des œufs. Oh non, pas maintenant. Si, si, je mange des œufs le matin. Pas le matin. Je m'en fais deux. Ou trois. Ouais, ouais, je me fais deux œufs quand il y a des gens, pour pas qu'ils croient que je mange beaucoup, et quatre ou cinq quand je suis seul. Ça choque beaucoup de personnes d'ailleurs que je mange cinq œufs le matin. Je mange le jaune et blanc, je veux dire. Pas comme les mecs qui font du sport là, qui mangent que les blancs. Allez, c'est parti. Bah, par contre, tu me les fais, hein. Parce que je sais pas cuisiner. Ah non, mais tu vas. Tu... Non, tu te fais ton propre repas par contre, pour vrai. Ah. Vas-y, donc tu vas commencer par faire un café. Non, mais attends, 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 attends. Quoi? T'as regardé après la tasse qui était sale dans le. Elle est vide. Ah, mais c'est bon, nique sa mère. Qu'est-ce qu'elle est crasseuse, cette dame. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que t'as fait avec quoi? Ça se passe sinon la pigmentation des sourcils, du coup, ou pas? Franchement, ça marche super bien. Fais voir. La maison du sourcil à Lyon. Le meilleur café qui existe, vrai ou faux, Lisa? Ah ouais. Pourtant j'achète des dosettes Starbucks et tout, hein. Mais franchement, je vous jure, je n'ai jamais vu des dosettes aussi bonnes. Je sais pas comment, c'est non parce que c'est la marque. La Café Royal. Café Royal, Sweet Noisette. Incroyable. Vous savez, ça me saoule parce que c'est pas des vrais placards où il y a des trucs qui sont séparés. Et du coup, bah tout ce que je mets dans mon placard, il a le goût des épices. Là, hop. Je t'ai dit que je me faisais des œufs, pas une shakshuka. On fait ce qu'on peut. Donc voilà, ensuite ce que je fais, c'est que je vais manger mes œufs, boire mon kawa tout en regardant les gens qui m'ont insulté sur internet pour bien commencer la journée. Voilà. Non, mais pas le matin, moi. Dara, mais terrible. Voilà, un petit coup de kawa. Alors, Lisa, moi, il faut savoir que ensuite, le matin, après avoir mangé ce petit déjeuner de roi. Oui, donc voilà, maintenant on va partir au sport. Sachant que là, tu peux pas aller à la salle parce qu'elle est fermée cette semaine, donc je vais faire une petite séance en extérieur. Voilà. Ok, mais par contre, je mets quoi comme tenue? Alors, pour les chaussures, tu vas mettre ça. Ouais. Non, je mets, tu sais, un haut genre Nike un peu serré, là. Ah, vous voyez, toutes mes culottes sont en train de sécher. Et puis un cycliste en bas. Non, non. Go. Non, non, non. Pourquoi? Non, non, non. Mais je vois, je suis énorme dans un cycliste. Moi, je m'affiche pas. Non, non. Ah, Joanne, pas dans la rue, je peux. Tu veux un short du coup? Non, ouais. Ok. Ouais, ouais. Je rentre pas dans ton short, Joanne. Monsieur, tu mais rentres. Ça fait un cycliste. C'est un cycliste le truc. Tu rentres comme ça ou pas? Non, mais ça va pas ou quoi? Je crois que c'est quoi la fashion week? Ensuite, il me faut des baskets. Allez, tu mets quoi au fond? C'est une preuve de PS. On est de genoux. Franchement, en ce moment, je mets des. Ah, les monarques, cherchez un nom. Bah attends, je vais chercher des chaussettes. Tu m'apportes des chaussettes, s'il te plaît? Ah, regardez, c'est mes perles. Oui, en ce moment, je me fais décoller de perles. Voilà, j'ai que ça à faire dans ma vie. Alors là, j'ai deux questions. La première, tu vas quand même pas me laisser sortir avec des chaussures trois fois trop grandes pour moi. C'est un 44, je fais du 38. Et la deuxième, tu vas pas me faire croire depuis ce matin que tu t'es pas gagné une clope. Allez, un peu de bail. Non, mais tu vas au sport, arrête de fumer. Non, mais justement, il faut que je prenne des forces. Je peux quand même m'attacher les cheveux ou pas? Et les filles, montez de genoux. Et les filles, remontez-moi ce cycliste. Athéna, tu viendras me voir à la fin du cours. Don't say the name. Donc oui, il faut pas que les gens sachent. On va lui taper notre prof de PS. Non mais arrête. Attrape le tapis. Quel tapis? Bah, j'ai un tapis de sport derrière le livre Jacquemus que je n'ai jamais ouvert. Comme les PLO, les footballeurs. Je suis choquée. Sergio Ramos. Allez hop, tu me dépistes de ce tapis là. Voilà, ça se met dans quel sens? C'est très bien dans quel sens ça se met? Ouais, je sais très bien, j'ai juste pas envie. Tu vas commencer par me faire 5 pompes. Non! Dans les jambes! Voilà, allez, 5. 1. Allez, continue! 2. Tu peux le faire, Lisa, tu peux le faire, 3. Allez, on enchaîne avec les abdos. Allez, c'est parti. Oh, je suis épuisée, quelle séance? Moi, on se casse? Moi, on se tire, j'adore. Bon, l'étape suivante. L'étape suivante. L'étape suivante après le sport. C'est la douche. À la douche. Allez, elle est à la douche. Et apporte-moi les vêtements. Oui, je vais te préparer une tenue du coup de ce que je mettrai. Allez. C'est fini. Mais quelle crasseuse. Allez, vas-y. En fait, en vrai de vrai, on a tourné la vidéo à 14h et elle voulait pas se redoucher une deuxième fois. Allez, à la douche. J'entends pas l'eau couler. Bon, tu t'es lavé pour de vrai? Oui, oui. Tu t'es lavé pour de vrai? Oui. D'accord. Arrête. Oui, c'est bon. Tu t'es lavé le visage? Oui. Thank you.
Il n'y avait pas de fondu dans la douche. Je me lave avec lui en ce moment le visage. Voilà. Allez. C'est bon. Alors que j'ai trouvé une tenue, donc une tenue que je porterais habituellement pour une journée tranquille à la maison, à travailler. Voilà, une tenue simple en fait, une petite tenue vraiment pépouze, comme on disait en 2009. Un pantalon. Bah, ces petits mocassins Prada là, ils sont bien mignons. Bon alors le look. Adorable, il est magnifique. Tu kiffes, Audrey ? J'adore. Je pense que si c'était en mode femme, j'aurais pu le porter. Mm-hmm. Mais après, moi je trouve que ça fait un peu masculin, féminin. Donc c'est un peu moins mon look, mais ça par contre, ça je le veux. Le jean comme ça aussi. En fait, chaque pièce j'adore, mais peut-être pas ensemble, tu vois. Bon, du coup, je vous fais un petit détail. Alors, le haut, c'est un haut que j'avais pris chez la femme, chez COS. Ça, c'est un colis qui m'avait été envoyé par Kamad Reworked. Ça, c'est Alisa, ça, c'est Alisa, ça, c'est Alisa. Le pantalon, pareil, c'est un COS aussi, si je dis pas de bêtises. Et les petites. Les petits mocassins, c'est les Prada. Et le pantalon, j'ai pris chez l'homme, mocassin chez l'homme. Tu reconnais que c'est mon look ou pas? C'est pas ton look, par contre. C'est okay. Cher ton look. Je me sens très vendeuse dans une belle boutique. Combien sur 10? Je vais mettre la note ici. 8,5. Sur 10. 8,5? Ouais. Bah, attends, qu'est-ce que t'as? Je vais commencer à faire. Oh, on commence pas. On va couper. Bon, l'étape suivante maintenant, qu'est-ce que je fais, Lisa, après m'être habillée, une fois que le sport a été fait, que la douche a été prise? Elle s'est brossée les dents, Gao, parce qu'après, il y a des gens qui me disent, tu te brosses pas les dents? Si, les dents sont brossées. On va manger un petit bout. C'est pas la cible, c'est pas des massettes. Manger un petit bout exactement, donc qu'est-ce que je mange? Une burrata. Et qu'est-ce que je bois? Du Coca-Zero. Voilà, toute ma vie c'est manger de la burrata et boire du Coca-Zero. Et il n'y a pas de tomate, hein. Enfin il y en a, mais je vais vous montrer. Si en fait ça va, il reste une petite tomate qui est intacte. Comme une œuvre, regardez-moi ça. Et ben voilà. Mais ils sont petits cette burrata. Donc tu voulais quoi, la vache entière? Bah ouais. La buffalo entière? Ah bon, allez. Bon alors, regardez-moi ça. Tiens, ta cervoise pour aller avec. Non, parce que une burrata monoprix à 2€, donc fallait pas rêver, hein. Soit c'était la burrata du fromager. Non, en faisant ça, généralement, je fais soit une crise d'angoisse, soit... Puis j'appelle Lisa en fait. Genre j'appelle mes amis ou j'appelle... Ouais, enfin c'est toi que j'appelle, quoi. Ouais. Tu vas m'enlisser un peu, Lisa? Non, je partage pas, non, tu vois, c'est bien connu. Ceux qui détestent les bruits de bouche, j'en fais énormément. Et après tu... Oui, non, je... C'est ce que j'allais dire. Il y a un genou dans la cuisine, ça fait quelques temps déjà que je lui parle quand je me sens seul. Ouais, tiens. Ce soir, elle m'a laissé que. Vous savez, elle a mangé toute la crème à l'intérieur de la burrata, puis elle m'a laissé la coque. Genre la coque vide, mais que j'en ai à foutre. Je sais pas si vous aussi vos parents vous disaient ça quand vous étiez petit. Quand la vaisselle elle bouge, tout ça, alors que ça fait 3 heures que tout le monde a quitté la cuisine, c'est que c'est un genou qui touche les assiettes et tout. Après ça, qu'est-ce que je fais? Du montage? J'ai pas dit que je faisais du montage après ça. Pourquoi tu fais du montage alors que tu sors une vidéo tous les 6 mois? Prends-moi pas pour une conne. Vraiment, tu me prends pour Fairyult. Je prends pas pour Fairyult, je te prends pour Fairyult. C'est ça exactement. T'en veux? Ouais, maintenant que t'as tout tapé, oui, bien sûr. Je veux bien les restes, s'il te plaît. Santé. C'est super bien. Ouais, si tu vois, c'est super bien. Si t'as le aucun coca, you're doing things right. Hop. Eh merci. Eh tiens. Ah, je t'avais des louches. Bah ouais, j'ai des lunettes. J'ai oublié que t'étais milieuse. Mais t'as mis un pansement. Ah oui, merde, attendez. Désolé. T'as mis un pansement. Je vous expliquais. Elle me demande pourquoi j'ai mis un pansement sur mes lunettes. Effectivement, j'ai bien mis un pansement au milieu de mes lunettes. Putain, on dirait papa. Tu veux voir si t'étais au réseau? Fais voir. En fait, j'ai mis des un pansement ici parce que je fais une vidéo et je devais faire des looks. Je devais faire des looks, il faut sacher. Je devais faire des looks de rentrée en mode plusieurs looks. Genre premier de la classe, le populaire, le machin, le truc et tout. Ah, mais t'as une correction? Bah oui. Ah, moi je pensais que c'était des lunettes de déco. Non, je suis bigleux. Tu t'es moche sur cette photo de profil, c'est plutôt. Mais dis donc, cette secrétaire, je la paye pour m'insulter ou c'est comment? Allez, le mot de passe. Non, le bébé à bicyclette. Génial. Bicyclette, B-I-C-Y, bébec, B-E-B-E-K. C'est bon, entrez. Allez, travaille. Alors, idée de TikTok à plager. Poupi. Bon, c'est fini. J'ai travaillé 20 minutes, je suis épuisée. Tu fais quoi? Bah, il est 15h là, c'est bon, c'est plus le morning routine, faut arrêter les conneries. Moi je vais aller dormir. Je vais faire une petite sieste parce que franchement. Non, bah voilà, moi c'est tout ce que je fais dans ma morning routine, rien d'excitant. Hein. Bah, façon, je bouffe, je fais du sport, je pleure un coup sur le canapé aussi. Tu veux pas faire ça? Ah ouais, vas-y, viens faire. Voilà. Wouah, 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 I'm a baby. Hein? Cette meuf est trop bizarre. Trop